qui m'a marqué, c'est le concept de cluster, qui peut être très utile. Et là, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Il me semble que ça serait très utile pour la promotion du projet de mettre en place ce concept en Tunisie, commencer par des clusters à l'échelle locale, régionale et puis surtout le territoire. Ça va nous permettre de faire, de tisser les réseaux et les relations entre les différents intervenants. Et ça va être peut-être une façon qui va nous faciliter la promotion de cet entrepreneuriat vert. Très riche au niveau des contacts, le réseau, le carnet d'adresses qu'on a eu, et puis aussi par rapport à l'ouverture des gens. Une excellente opportunité d'échange et de partage de bonnes pratiques à travers en fait les témoignages des entrepreneurs verts. C'est une nouvelle expérience pour nous, surtout au niveau de l'entrepreneuriat vert et surtout de nos rencontres avec les jeunes promoteurs ici. Cette formation, c'est d'un apport réellement très important parce que d'une part, ça nous a permis de voir des cas réels par rapport à tout ce qu'on a vu pour des concepts entre guillemets théoriques. Et vivre réellement les expériences qu'on a eues comme exemple lors du cycle de formation en Tunisie. Je chapeaute les 24 centres d'affaires en Tunisie. Ce sont des structures qui sont chargées de l'appui et de l'accompagnement des porteurs d'idées de projet. Des porteurs de projet, ça va me permettre de réorganiser et d'adapter les programmes de ces centres d'affaires qui interviennent au niveau des régions en Tunisie. Et si j'ai une recommandation à transmettre à l'administration tunisienne, serait essentiellement de capitaliser sur les mesures et les programmes existants, mais surtout de mutualiser en fait les capacités de tous les acteurs de la société tunisienne. Donc là, je parle des organismes publics, des organismes privés, des acteurs de la société civile, ONG ou associations, mais également de l'université comme partenaire. Je pense qu'il faut qu'on milite pour avoir un cadre juridique approprié si on veut vraiment une pérennité pour l'entrepreneuriat responsable en Tunisie. Des idées de projets qui peuvent être mis en place, que ce soit au niveau très local, dans le quartier, et puis par rapport à ma ville, par rapport à la ville de Sfax, réellement, qui a besoin de beaucoup d'efforts au niveau de l'écologie. J'espère que ces expériences, nous les transférons surtout à la Tunisie et à notre centre à Caron. De créer une association qui sera dédié à la promotion de l'entrepreneuriat vert en Tunisie. Je pense qu'en termes de dynamique de réseau, nous pouvons être pour la dynamique tunisienne à la fois une force de proposition au début, une force d'action pilote pour pouvoir initier des actions, les accompagner, les réussir, communiquer à travers ça. Et à travers cette action, vraiment les actions entreprises, on pourrait fédérer d'autres structures, d'autres institutions, d'autres partenaires sur la thématique pour que le réseau sur l'entrepreneuriat vert, okay, joue un rôle de booster, hein, de l'initiative entrepreneuriale sociétale au niveau de la Tunisie. Donc structure publique, au ministère de l'Industrie, donc on est au devant. On encourage toute initiative dans ce sens et on est prêt à mettre toutes nos dispositions, toutes nos structures, soit dans les régions, soit au niveau central, en faveur de toutes ces initiatives. On est pour. Je pense qu'avec ça, on aura vraiment quelque chose de solide qui peut représenter une base pour aller beaucoup plus loin.